production nationale là, parce que nous pensons que c'est avec une augmentation de la production nationale, la privée résout en partie, même si ce n'est pas de manière totale, la question des décotes de la vie. Donc nous croyons que même si il y a des interventions qui sont faites par la BRH, en réalité, nous voyons que ça va jamais avoir une solution. Mais nous croyons que plus de possibilités pour résoudre le problème d'inflation, le problème des décote de la vie, là, c'est lorsque nous-mêmes haïtiens, nous voulons augmenter la production là, car nous, pour que nous consommions local, mais bien fait, dans cette année. Représentant 3e circonscription Port-au-Prince la Chambre députée Printemps Bélisaire dénonce Jean exécutif la perdit temps dans formation cabinet ministériel la député famille Lavalas la déclaration premier ministre nommé vient présenter déclaration politique générale li député Printemps Bélisaire. Je tiens là pays a fait face à une situation déplorable. Et nous capables de dire son déception tout pour les haïtiens. Après 2 mois de soulèvement populaire, après environ 2 mois, côté que nous avons un ancien premier ministre par rapport à pression populaire, par rapport à soulèvement populaire qui a gagné 7-8 juillet, et bien qui est arrivé démissionné. Malheureusement, je dis là, pouvoir montrer pour l'autre fois encore qu'il faut faire la sourde oreille par rapport à la revendication de la population haïtienne. Pendant que nous, en pleine rentrée des classes, la majorité des parents dans le pays n'ont pas qu'à pouvoir petit dans l'école. Si nous regardons pour nous voir comment Koussibé des côtes a plongé dans le boulevard de corruption à travers des décharges qui ont baillé ensemble des gens qui n'ont pas mérité des charges. Ça veut dire, je tire là, face à l'irresponsabilité de l'État, ça, pour qu'il soit capable de doter le pays à un nouveau gouvernement, qui prend une responsabilité pour en charger la revendication des pays. Pendant qu'il n'y a pas de volonté pour l'union faite autour des fonds pétro-caribéens. Pendant qu'il n'y a pas de volonté pour le pays à sortir dans la misère qu'il y a, dans le fatra la boue, insécurité sociale économique qu'il y a. Donc je dis là, nous-mêmes, nous disons solution. Il parle d'autre bagaille, même gens, population à mobiliser pour que justice soit capable de faire autour des fonds, des gaspillages qui fait autour des fonds pétro-caribéens, différents continents, dans différents États au niveau des États-Unis à faire. Et bien je dis là, nous disons qu'il y a un soulèvement populaire qui fait à travers de tout pays pour nous débarrasser nous des systèmes anti-peuple, des systèmes archaïques. Je dis là, nous avons là qui ne peut pas mettre le pays à aucun côté qui remplit poche ensemble des nègres qui ont déjà fait millions sous d'autres pays haïtiens à travers des gaspillages qui font vivre au Caribéen. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes nous disons l'ensemble des problèmes qui gagnent dans le pays là, c'est le résultat d'un pouvoir qui connaît qu'il n'y a pas de sortie dans la matrice peuple là, il met au service des oligarchies rétrogrades là, pendant que nous dans la 3e circonscription de Port-au-Prince dans misé, pendant que nous dans tout pays à dans misé, pouvoir lui-même la gagoter l'argent, pendant que nous gagnons un gouvernement démissionnaire à travers des liquidités les affaires courantes, malheureusement, aucun texte de loi qui définit ça, liquider les affaires courantes. Là. Et bien, je dis à la boulevard de corruption, il y a gagoté l'argent. Et bien, nous disons, peuple haïtien, mobilisez pour que je dis à la nous capables de débarrasser le pays des équipes irresponsables qui peuvent payer. Lisière Go Business dans la région métropolitaine, Hôtel Marriott, El Rancho, Best Western, sorti note protestation contre vie déclaration, il dit ancien président Ted Kalia, Michel Martelly fait, concernant l'agent Petro-Caribéa, Lidi, li te volé pour te investi dans l'entreprise sa yo. Surjo Development SA, TDSA, propriétaire Marriott qui gagne à la tête li Martin Booth, démenti M. Martelly, li déclaré qu'il pa gen yon péniche dans l'hôtel là, yon investissement important pour pays à la mettre en danger. TDSA pa écarté possibilité pour le traîner moun la justice pour dossier ça, pendant le fait qu'on est peuple haïtien gen droit pour le connaître qui côté l'agent Petro-Caribéa passé. Groupe NH El Rancho qui gagne à la tête li Reginald Boulos, condamné salrelé, parole déréglée, dévergondé, Michel Martelly a marché répété pour l'associer Nol et puis Cop Petro-Caribéa à Hôtel là. Hôtel Best Western, propriété famille Andal, fait même genre. Sous Bopal, vice-président Sogénéan là, Dimitri Vorb, démenti sous Twitter, compagnie et patronné participation groupe Sud Miki dans le carnaval débordé là, lundi dans New York. Ancien président
président qui t'a fait face à manifestation en série compatriotes contre lui pour dossier Petro-Caribéa, te mette bannière sous génère sous Charlia comme sponsor. Michel Martelly t'est campé dans une soirée en octobre 2017 dans Marriott pour te déclarer l'agent Petro-Caribéa li volé a, li investi dans plusieurs hôtels. Maître André Michel condamné comportement membre conseil la Cour des comptes te gagné dans conférence pour la presse yo te bay madi sous dossier Petro-Caribéa. Le vice-président Fritz Robert Saint-Paul te attaqué personnellement. Selon avocat plaignant Petro-Caribéa, juge tribunal administratif là pas droit parler sous dossier des charges madame ancien président tête Calia Sophia Saint-Rémy Martelly dans la presse. Dans une conférence li bay mercredi a, maître Michel déclaré conseiller la Cour des comptes violé une règle éthique les agit comme ça. D'après lui, il a pris une position politique en faveur PHTK. Maître André Michel, Namiko Robinson Henry, avec Reginald Jean-Louis. Les conférences de presse qui fait hier sont catastrophes. Conférences de presse ça affaiblit les comptes. Parce que les membres de la Cour, ce sont des juges. C'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui est là, son morceau dans la Les membres de la Cour, ce sont des juges. Et un juge qui respecte les têtes, il n'a pas le droit de venir dans la radio pour la parler sur un dossier que la traité. Je ne vais pas avocat qui a le droit de faire ça. Leader politique qui a le droit de faire ça. Journaliste qui a le droit de parler sur un dossier qui est de mon juge. Mon juge n'a pas le droit pour venir dans la radio pour la parler sur le dossier de la traité. Deuxième erreur disciplinaire, deuxième faute disciplinaire, pas quoi. Un juge a le droit à attaquer un avocat qui mon dossier. Ça n'existe pas. Pour une décision, avocat n'a pas d'accord, l'a fait recours. L'avocat a voulu une requête là où vous écrivez, vous faites sauver la velle. Vous n'avez pas venir dans la radio pour appeler requête avocat. Franchement, je pense que son bagage est excessivement grave. Ce n'est pas normal. Mais mon question est importante pour nous poser tête. Pour qui ça déjà et Sophia ont été cachés, ont été serrés, le peuple n'a pas jamais connaître. C'est moi qui ai cherché le coup des comptes pour me faire payer à connaître au bail Sophia Martelly des charges. Si on te connaît, t'es bon, il va te cacher. Et parce qu'on connaît le pas bon, il va te cacher. Donc c'est elle, tout le monde va joindre. Et moi-même, je dis, tout désordre qui fait dans la colle femme, dans la jambe pour Caribé, désordre qui fait dans la petite maman chérie, qui fait dans la bague dans le goût, de bouffer une baille sur la décharge, ça veut dire que je ne peux pas faire confiance encore, et ça veut dire que je vais n'importe quelle décharge. La Cour a perdu ce qu'elle avait comme crédibilité. De me penser, c'est trop grave. Maintenant, bon, Fritz Robert Saint-Paul lui-même, c'est personnellement l'attaquer. Vous comprenez? Parce que c'est Fritz Robert Saint-Paul même qui va se faire mater les décharges. C'est Fritz Robert Saint-Paul qui écrit à rien qui va se faire décharge. Mais là encore, quelque part, il est lâche. Il n'est pas courageux. Jusqu'à hier, dans la conférence de presse, il n'y a jamais eu courage pour le dire, c'est lui qui est prié à ça. Il y a des membres pour les comptes. C'est comme si c'est Guy Chadour qui a parlé. C'est comme si c'est Ekondado et Guy Lessé-Delva qui a parlé. Cap Dimounio, tant, nous n'avons pas besoin de faire manifestation pour des comptes pour le rapport en janvier 2019. C'est comme si Mdadou sont opérations de communication qui a fait pour casser la mobilisation qui a fait sur le dossier de l'Ocaribéa. Jovenel Moïse en difficulté. Il sent qu'il est en danger, il n'y a pas qu'à parler, et puis il y a les deux, trois mouns dans le coude. Il dit, allez parler pour moi, allez calmer le peuple pour moi. Mais ce n'est pas sérieux. Maître André Michel, bat bravo pour être homme d'affaires Reginald Boulos, sac responsable de business, ancien président Michel Martelly, d'y investir l'agent Petro-Caribéa là-dedans, démenti chef tête Calia à travers notre comité d'ailleurs. Avocat parti civil là, dans le dossier Petro-Caribéa, quoi, il a dû traîner Michel Martelly la justice, à cause limité hôtel Best Western, Marriott, à quel rancho en danger. Maître André Michel, dans micro Robinson Henry, avec Reginald Jean-Louis. Maintenant, Boulos. Et bien content. Si vous y a des gens dans le secteur privé, il y a Show, il y a Best Western, il y a Marriott, qui a réagi pour y avoir bon, il n'y a même pas l'argent pour le Caribe dans la main. C'est menti Michel Martelly à bail, il n'y a pas de gens qui ont copié le Caribe dans la main. Parce que, vous comprenez, Martelly mettait en danger. Parce que peuple ça, qui était là où il y a 6, 7, 8 juillet 2018, là,
peuple ça cap continuer mobiliser ya peuple ça cap mande côté l'argent peu pour caribéa ya peuple ça qui décide à chercher comme peuple pour caribéa si la justice pas prend responsabilité là on connaît peuple ça son peuple qui gagne parfois il agressif et bien content de faire précision hein. Mais on pense tout faut aller plus loin parce que Martelly mettait en danger. Martelly portait à tête à crédibilité. M'attend que on prend avocat qui pour attaquer Martelly en diffamation. Notre là pas suffit. Si on a dit comme ça c'est comme le Caribe qui dans business ou il discréditer business. Il portait à tête à personnalité. M'attend que trois groupes ça yo yo constituer avocat pour attaquer Martelly en diffamation. Le ça m'a prouvé vraiment que décider aller jusqu'au bout. Mais c'est déjà une bonne chose le fait que vous comprenne que faut que des et puis pour le double exécutif, bref, c'est du charabia. Ça n'a aucun sens. On va répondre sur ça. Maître André Michel déclaré mon cap exiger la justice fait lumière sous gagote l'argent Petro-Caribéa pas qu'à compter sous la cour des comptes à partir des charges li bay madame Michel Martilia. Pi loin avocat annoncé li pral retourner dossier devant la cour à travers salre les yon action en révision. Maître André Michel. Il y a quatre motifs qui supportaient décision. Quatre motifs qui supportaient décision pour se faire matériel des charges là. Il y a trois motifs qui dit que la femme c'est une catastrophe qui a des autres Sophia des autres. Malgré ça, le bal des charges. En droit, on appelle ça contradiction flagrante entre les motifs qui supportent la décision et la décision elle-même. Il y a absence de base légale. Et c'est pourquoi, un jour comme aujourd'hui, j'ai la conviction, arrêtez ça, pas faire long feu. C'est une œuvre fragile. Et en tant qu'avocat engagé dans le procès de Petro-Caribé, nous nous engageons dans cette bataille. Cette décision n'est pas capable d'être debout. Avec les faits nouveaux contenus dans les rapports la tortue et vos plans, avec toute l'autre donnée qui gagnait, nous allons retourner qu'à Sophia Martelia devant la Cour des comptes sur la base d'un recours en révision pour porter la Cour des comptes à rectifier le tir, pour porter la Cour à assumer ses responsabilités. Nous ne pouvons pas quitter ça à passer. Et ma toute bonne information, c'est mon autre proposition qui t'a travaillé sur le dossier. Olivier Matelia, qui demandait des charges ensemble avec Sophia. Là, notre composition, ouais, pas une enquête qui fait. Je compte tous les autres qui fait dans le pays, je ne pas à Olivier Matelia des charges, je demande pour l'autre enquête qui fait. Je ne pas qu'on nomme tout le monde qui est dans notre composition. Mais à regarder, à prendre l'information, à connaître, Olivier demande des charges, tout, il n'y a pas de balle. Mais pour qui ça, Sophia joue lui-même. Son bagage extrêmement grave. Ou bien Sophia décharge. Je vous dis, peuple à connaître, il n'est pas capable de compter sous le coup supérieur des comptes dans la bataille contre la corruption. Directeur exécutif RNDDH, Pierre Espérance, dénoncé conférence la Cour supérieure des comptes là comme une opération politique pour casser remobilisation pour PDA qui a demandé lumière sous l'agent Petro-Caribéa. Dans une interview de Radio Kiskeya, défenseur de Wamoun Nankwe, c'est un scandale, décision Koua qui baille Sophia Martelly des charges malgré un rapport qui était mal dépensé l'argent l'État. Monsieur Espérance a ajouté conférence à la guévenie sous la Cour des comptes, demandé pour l'État mettre moyens à la disposition tout acteur qui travaille sous le dossier Petro-Caribéa pendant la population a prêté mobilisé. Pierre Espérance, dans le micro qui tient Jean-Pierre Taylor. Nous considérons tout et mardi 4 septembre 2018 là, comme une opération communication politique pour être capable de freiner le mouvement qu'a fait pour éliminer capable de faire sous fond Petro-Caribé. Tout d'abord, et même au cours supérieur des comptes, et c'est des juges, ils sont pas capables d'opiner sur décision qu'ils ont prise. Ils ont parlé en pile sur et décision qu'ils ont prise en faveur et Sophia Martelly et côté qui ont été en décharge et partielle. Et il faut que tout le monde connaisse que Sophia Martelly, comme madame présidente
Matéli, pas de gagner qualité pour la gérer fonds trésor public. Et dans ce sens, il a regardé des charges qui ont balayé, c'est des charges qui ont un paquet anomalie là-dedans. Il y a quatre motifs qui ont pris. Dans quatre là, il y a trois là-dedans qui dit que le fonds est mal géré. Et il y a des charges là, et quand même. Et les gens regardé conférence de ça, nous voyons que même pour ces pays des contrôles à dévaloriser quoi et discréditer quoi. Et ils sont pas capables d'amener faire des conférences de presse pour et bloquer, pour freiner mouvement, mobilisation qu'a fait là. Parce que qui est pour ces pays des comptes qu'on a fait conférence de presse pour yo di ap mené une enquête sur Petro-Caribé, yo ba un calendrier d'activité, yo di yo ba gen corps c'est nan tiroir à gratter yo men yo disons même dit tiroir ça veut dire que nan ça rien qui disponible qui yo dégage un 10 millions de gouttes alors que gen des films qui a demandé au plus passer 70 millions de gouttes pour faire audit. Eh ben yo tout désapprouvé pouvoir exécutif là avec pouvoir législatif là, c'est exécutif là avec législatif là qui vous met moyen à la disposition. Un peu pas lever des moyens pour qu'il soit qu'on y a fait conférence de presse pour y a et pour cap pour y être capable et freiner mouvement qu'a fait yo li devant la justice haïtienne. Gen juge Pierre Paul le 22 février 2018 dans une ordonnance que ran il dit que alors juge Paul Pierre il dit que li est cabinet d'instruction compétent pour mener instruction sur dossier Petro-Caribé. C'est vrai commissaire gouvernement qui est représentant exécutif là qui là pour faire appliquer politique pénale exécutif là dit que et juge n'a pas une cabinet d'instruction pas une compétence pour ça mais comme juge n'a pas lié avec décision commissaire gouvernement et mais instruction en fait et je dis à la cour supérieure des comptes pas capable à provoquer et insulter plus passer 70 monde qui portent au parti civil dans quatre dossiers ça bon grande bagarre pour autorité au fait dans le pays c'est mettre et moyens à la disposition tout acteur au niveau chaîne pénale là qui gagne un dossier ça dans même.